Les abeilles. Chercher du miel, s'il y en a, je vais me faire des bonbons qui vont baisser un petit peu ma. Oh putain, non. Travaille pas en hiver. Ok. Seule saison, je crois, où elle bosse pas. Donc ça, on va le garder pour tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça donne 30 de vie et 75 de bouffe. Mais ça va, j'en ai assez. On peut utiliser la bluff. Non. On va pas faire ça. On va d'abord faire ça. Hop. Et je le ferai après. On va déjà aller s'occuper des araignées et des serpents. La santé mentale, je la remonterai cette nuit. De toute façon, on va être bloqué. En plus, il pleut pas, donc faut vraiment en profiter. Araignée, on sort. Venez vous battre. J'ai besoin de soie, j'ai besoin de viande de monstre, j'ai besoin de plein de trucs. Allez. Voilà. De la soie. La soie, c'est primordial. Si je pouvais en avoir trois, ça serait cool. Et histoire de faire un mot de forme. Et prévoir le coup pour défiler. Au cas où. J'aurais peut-être dû aller. Bon, peut-être pas maintenant parce que les journées sont courtes. Oh, merde. Je suis allée trop tôt. Allez! Eh ben, 3. Nickel. Oh. Ils prennent le champignon. Je sais pas s'ils le mangent. Ah, ils le mangent, si. Pas cool. Pas cool du tout. Hop, araignée. Encore? Ouais, une. Une petite araignée. Oh, ben, merci! Plutôt cool, ça. Ok. On récupère ça. Je vais casser les arbres qu'il y a autour. Il me faudrait ça. Oh, j'ai pas posé mes pièges. Le crépuscule va tomber. Ah, oh, le boulet. Le boulet. Ah! Oh, merde. Alors, attendez. On va déjà replanter ça. La nuit qui tombe, mais honnêtement, même limite, on va passer la nuit dehors s'il pleut pas. Hop là. Hop là. 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 Et là. Très bien. Les pièges, on va les mettre au niveau de la toile d'araignée. On va en laisser 3 ici. Voilà. Déjà, ça nous fait de la place. Et on va récupérer tout ce qu'il y a autour. Hop là. Salut l'araignée! Salut l'araignée, je m'occuperai de toi après. Ce qu'il y a de bien la nuit, c'est que je sais pas si elle vous voit pas ou quoi, mais alors vous pouvez être à côté. Voilà, elle vous attaque pas. Et là, tu me vois pas? Non, toujours pas. C'est un truc de fou. Il y a un truc en haut, je sais pas ce que c'est, une fleur. Oh bah tiens, santé mentale. Petite araignée, on va te tuer. Voilà. De la soie en plus, c'est très très bien. Et une hache. Voilà, on va continuer à casser les arbres qu'il y a autour du nid. Et on remettra le nid toujours plus ou moins au même endroit. Je trouve qu'il est pas trop mal placé. Il est pas très... pas trop... merde. Oh mais il y a plein de serpents là. Farmage! C'est le temps de farmer les serpents! Bon, ils vont me bouffer la viande de monstre, mais... De coup... Ah, une peau de serpent! Bon, il va m'en falloir beaucoup plus d'une, mais... Hop! On bouge. On tape. On bouge. On tape deux coups, on bouge. Ok. Ça se passe bien. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien avoir un peu plus de peau de serpent. Hop là. Là, bon, une peau de serpent, c'est déjà pas mal. On va utiliser ça. Non, utiliser. Voilà. Et encore des serpents. Par contre, ma santé mentale qui dégringole. Non, viens, viens, viens. On t'attaque pas dans la toile d'araignée, toi. Voilà, hop. On soigne toujours. La pelle. Ici. Bon, tuer des serpents, ça m'aura coûté, mais... Au moins.
Dans l'idéal, il m'en faudrait, je crois que c'est 4 de plus. C'est pas rien. Autant vous le dire. Je sais pas à combien de pourcentage il les drop, mais c'est vrai que... Hop là. Il les drop pas souvent, quoi. Allez, un petit temple de plus. J'écoute un petit peu ce qu'il y a alentour. C'est pour ça que... Pas forcément, je parle pas forcément beaucoup, je fais pas de bruit. Voilà, viande de monstre. Bon, il y a mieux. Je sens que ça va casser. Ah non. Je pensais que Mâche allait casser avant de pouvoir. Ah zut. Déjà? Hop. Bon, ce qu'on va faire, on va récupérer le bois et on va le mettre à la place des pommes de pin. Partir par là et compléter notre forêt qui commence à bien s'élargir. Putain, il y a un coup de tonnerre qui passe là. Oh, des singes qui m'envoient encore des trucs. Il y a un coup de tonnerre qui passe là-dedans. Là-dedans, je vais faire la gueule. Hop là, très bien. Retour maison. Retour maison. On va mettre du bois. Changer notre chapeau. Voilà. On a des boulettes de viande qui nous attendent. On va s'occuper de ça. En premier, je vais me nourrir. Voilà. Première des choses à faire. Et j'avais bien dit qu'on ferait... Je pense que je vais... on n'a pas de glace. Ah meuf, si je mets des œufs, ça marche? Ouais. Ok. Donc pour faire les bonbons... Il suffit d'avoir 3 de miel. Je sais pas si 2, je pense pas que ça marche. Je pense que c'est au moins 3. Et un autre truc. 45 de santé mentale. Donc ça va donner que 15. Hein. C'est pas non plus un boost énorme contre 10 sur les viandes séchées. Les pièges qu'il fallait que je replace, que je n'ai pas replacé du coup. Et du coup, ce qu'on va faire en premier... Soit, ça sert à rien de... Oh si, j'ai rien dit. Mais ça sert à rien de faire le... Oh, il m'en manque qu'une en fait. Parce que c'est un pour le chapeau et deux pour la veste. Alors, combien j'ai d'ossements? Est-ce que j'ai assez d'ossements? Je sais pas où ils sont. Oh, dis-moi que j'en ai encore. 6. Normalement, j'en ai assez. Oh là là, santé mentale qui commence à chuter encore. Hop. Ok. Il m'aurait fallu un croque-pot de plus. Un seul, c'est juste. D'ailleurs, c'est ce que je vais mettre en... Hop. Il me faut du charbon. Le problème, c'est que charbon, j'en ai plus. Merci les singes. Hop. Oh. Et une bouse. Super. C'était pas la bouse... Ah non, on l'avait utilisée. Ah, oh, super. Très bien. Donc maintenant, les bouses vont nous servir à faire la cabane de... La hutte des singes. On va en faire une autre. Qu'est-ce qu'il me propose de construire? Ah oui, la pierre thermale. Je vais reprendre un bonbon et en remettre un à crafter. Donc là, j'ai pas besoin de prendre tout ça. Voilà. Plus de place, malheureusement. Ça, je peux le prendre sur moi et mettre ça là-bas. Voilà. Histoire de faire un max de place. Voilà. Ça, je le mange et j'en remets un autre en file d'attente. Très bien. Oh, j'ai des... Oh, j'ai des bons et des pas bons, quoi. Ah si, ça y est, il a été retransformé. On va mettre des pièges ici. Alors, les pièges au niveau de la toile d'araignée, c'est simple, c'est que... Non, non, tu dégages, toi. Hop. Attends, j'ai mes singes qui m'alimentent. du coup, je vais en profiter. Ouais, si, viens avec moi, toi. Tant pis pour les arbres. Mais, oh, allez. Ah non, merde, c'est pas le bon truc. Pardon. C'est sûr que tu vas pas manger le caca. C'est pas bon pour toi. C'est bon pour personne d'ailleurs. Et on va... on aurait dû couper des arbres pour trouver des serpents. Mais putain, il n'y a pas d'autres viandes quand même. Bon. Opération de trouver des serpents. Je sais pas trop comment là. Vous voyez, voilà. Hop. Les araignées sont dedans. Donc il n'y a plus qu'à collecter. Ben on va les couper ces arbres là. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'arbres encore là.
Oh, une rose. Je vais la récupérer. Oh, j'aurais pu faire ça après, en fait, parce que la journée est déjà bien avancée. Petit cochon, viens, on tape cette arme-là. Reste à côté de moi. Reste bien à côté de moi. Alors, il me faut une hache. Voilà. Super. Ça, ma santé mentale va remonter. Il y a des fleurs autour que je vais m'empresser de récupérer quand il sera parti. Pour le moment, je profite de sa présence. Je vais ramasser l'œuf parce qu'il fallait me le bouffer. Ah, serpent. Serpent, c'est ce pourquoi on est venu. Bon, après, c'est sûr que les serpents, vaut mieux faire ça la nuit. Étant donné qu'ils vous en tapez un, ils arrivent tous sur vous. On va se refaire une arme. Oh, une banane. Aïe. Hop. Avant de les attaquer, je vais récolter des fleurs. Comme ça, le temps qui court. Hop là. Je tente de me refaire. Voilà, une lance. Hop et hop. Allez, un. Les suivants. Ouh, putain. 2-3. 2-3 et ça me lâche rien, quoi. Oh, bien. Bien le massacre, en haut. Oh, il y a une peau de serpent. Oh, il y a une peau de serpent, en haut. Ça, c'est cool. Ok. Là, c'est toutes les araignées qui vont me venir dessus. Hop là. Hop là. On récupère la viande de monstre si on peut. Effectivement, on peut. Allez, trois petites araignées, c'est rien. T'as vu pire le singe? Non, l'autre, elle va me taper. C'est pas grave. Je tanque un coup. Je suis quasiment full vie. On va récupérer le morceau de viande là-bas. Allez. Si on arrive à encore, en plus de celle qu'il y a là, avoir... Oh, il y en a deux! Oh, il m'en faudrait une de plus, franchement. Ah, les araignées, il est temps de les détruire. Hop, on va récupérer ce qu'il y a dans les pièges. Voilà, toi la petite araignée, viens. Viens avec moi. Je dois détruire ton nid. Voilà. Et je le replacerai après. Ok. La nuit va bientôt tomber, on utilisera notre torche, enfin notre casque de mineur. Bon, ça sent meilleur là, ça sent un peu meilleur. Il nous faut une peau de serpent de plus, ça serait vraiment, vraiment, vraiment le pied quoi. Franchement, si on l'a maintenant, on va pouvoir bouger le lendemain et aller récupérer tout ce qu'on devait aller chercher. Ce que j'aurais bien aimé faire beaucoup plus tôt. Mais on a voulu tenter. On l'a fait. Et ça a été porteur en soi. On n'a pas créé l'effigie, mais au moins, on a préparé le terrain. Il nous restera à attendre les beaux jours pour récupérer un perroquet. J'ai pas entendu Léandre, là. Ah non, hop, toi. Oh, puis une banane, là. Oh, puis je peux plus rien porter aussi. Bon, on sait qu'on a beaucoup de bois. On a beaucoup de bois. On va rentrer. On va rentrer. Non. Si je pouvais réussir... Alors, attendez. On va refiler ça. Hop. Si on pouvait avoir un serpent de plus, ça serait vachement bien, quoi. J'en entends, là. Ok. Bon, si on les attaque par surprise, on peut mettre les trois coups d'un coup. J'en entends encore. C'est tout les serpents. Montrez-vous. Je les entends, mais j'ai l'impression que c'était derrière. Non, non, en bas peut-être. Petit serpent, là. Voilà, là, allez, peau de serpent. Non. Alors, on va en chercher encore. Des fleurs, on continue à en prendre. Remonter la santé mentale. J'ai de quoi me faire... Oh, super. J'ai 8 toiles d'araignée, du coup, je vais pouvoir me faire un haut de forme. Bon, visiblement, il n'y a pas plus de... À 4 jours restants. Oui. Ah, si. J'en entends. Là.
Votre serpent? Non, j'en entends encore. Vous êtes où? Là. Ouh, il y en a beaucoup là. Oula. Allez, venez. Donnez-moi une peau de serpent, s'il vous... Aïe. Non, mais pas des coups, par contre. Hop. Allez, deux de mort. Trois. Allez, une peau de serpent. Sérieux, une viande de monstre pour quatre serpents, quoi. Vous êtes franchement complètement radin, quoi. Oh, j'en entends encore. J'en entends encore. Par là. Ici. Bouh! Je t'ai surpris. Et tu m'as même pas lâché de peau. Oh! Par ici? J'en entends encore? J'en entends, mais je ne les vois pas. Ils vont rentrer se cacher dans les arbres. Oh, zut. En passant très près des ronces où ils se cachent, ils sortent. Oui! Bon, ils m'ont touché, mais c'est pas grave. Ok, toujours pas. Non plus. Non plus. Ici, on peut faire ça pour récupérer les araignées. Non, mais viens de l'autre côté. Regarde. Tu viens là, et tu viens juste là. Pouf! Boum! Y'a pas d'autre? Ok. Ah si. Boum! Boum! Ça, c'est du formage rapide d'araignée. Boum! À chaque fois qu'il y en a une qui se le prenait, il revenait dedans, quoi. N'importe quoi. Bon, allez. Ici, plus rien. On va repartir. On va mettre une hutte de singe en plus. Normalement, je devrais avoir les objets pour. Ici, des crabes qui ont mordu. C'est cool. Ça, c'est cool. Une peau séchée. Je vais pouvoir faire un gros plat de plus. Hop. Toi, tu vas le manger. On continue à monter notre santé mentale. On range. On range, on range. Peau de serpent, ici. Elle a été fructueuse cette nuit parce qu'on a eu plein de trucs. Ok. Au niveau de la bouffe, on va manger ça. Ça va remonter toutes nos stats, en fait, sauf la santé mentale, évidemment. Ici, on va récupérer ceci. Et repréparer un gros plat, comme ça. J'ai toujours pas le nom, hein. Je l'ai toujours pas regardé. Mais predict, c'est jambon au miel, voilà. Un jambon au miel. On va se faire un petit haut de forme qui non seulement va nous donner de la régène permanente de santé mentale, mais en plus nous en a donné un peu plus, étant donné qu'on vient de le prototyper. Si c'est pas beau la vie. Bon voilà, ça remonte doucement. 123 à 150, on va revenir au maximum et on va essayer de s'y maintenir. Quitte à pas avoir de voile en peau de serpent qui est très rapide et très sympa, c'est franchement ma voile préférée. On aura au moins la combinaison, ce qui va permettre de se balader sous la pluie sans prendre aucun malus d'humidité. Allez, petit crabe de plus, ça nous fait de la viande à sécher, ça en fait 3, c'est parfait étant donné que... C'est pile poil le nombre de séchoirs que nous avons. Il y a de nouveau toutes nos ressources premières à récupérer. Oh, Léande. Léande arrive. Est-ce que... Vite. Est-ce que... J'aurai pas le temps. On va directement mettre les œufs. Les œufs, je pense, se sont comptés en bien. Mais on va plutôt prendre ça. Sauf que, putain, les cochons ont dû rentrer du coup. Ah, ça pue! Ah, ça pue complètement, ça. Parce que je comptais sur les cochons et tout, mais là... Nos amis les cochons ont dû rentrer. On va se mettre au milieu des singes. Quand ils arriveront. Hop. On a 4. En espérant que Léande prenne l'agro sur les singes. Est-ce que j'ai pris... Oui, ça, hop là. Ah. On a droit aux Andes glacées. Donc eux, ils ont une chance de vous geler quand ils vous attaquent. Mais vas-y, prends l'agro sur un singe. Ah ! Mais genre, il y en a un qui m'est arrivé dessus, quoi. Je sais pas, vous voulez pas attaquer un singe plutôt que moi ? Oups, des araignées. Alors, s'il y en a un ou deux... Ouh, putain.
Je devrais pouvoir les gérer, mais là, il y en a trop. Ouais. Ok. Les singes, c'est complètement pété. Voilà. Ramasse les dents de molos, très important. Et je pense que j'en aurai assez pour commencer une mini panic room. Oh zut, ils nous ont tué les singes. Je devrais pouvoir les tanker. Oh, mais j'ai tanké qu'un seul coup, c'est génial. Bon, c'était rentable. C'était rentable. Les singes ont fait le taf. Comme quoi, va vraiment m'en falloir plus. Parce qu'au pire, même si je les sympathise pas avec des bananes, au moins, ils sont là pour taper. Si les hantes prennent l'aggro, au moins tous les autres vont suivre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai eu cette bouse, donc normalement, là, maintenant, j'ai de quoi en faire une deuxième. On va d'abord mettre toute la bouffe là-dedans. Il me faut donc 4 bananes. Et je crois que c'est 6 boards. Je vérifie, structure... Non, même pas, c'était des brindilles. Ok. Bah, vous savez quoi, on va aller la placer de suite. Ça sera fait. Hop. Habitat de singe primitif. Donc on avait la première par là. On va mettre la deuxième ici. Hop. Voilà. Et on rentre à la maison. En fait, le but après, ça va être de farmer un masse de bananes. Et pour ça, on va les faire s'entretuer. Oh non ! Eh, dégage-toi ! Non mais sans déconner. Ok. On enlève ce chapeau. Oh, du coup, santé mentale qui en a repris un coup. La banane, on la remet ici. On va ranger le reste. Hop, hop. Ça, on le garde. Les dents de hande. Faut vraiment que je m'occupe de la panic room parce après ça va être vraiment la galère, je sens. J'avais besoin de ça, de ronces. Oh putain, j'oublie les ronces. J'ai oublié de récupérer les ronces. J'ai une ronce sur moi et je crois qu'il en faut deux. Bon. Écoutez, c'est déjà ça. Merde. Ça, il me semble que j'avais du bambou par là. On va ranger ça avec. On prend les peaux de serpent. Donc ici, il nous faut un chapeau de paille. Voilà. Et ça va nous permettre de faire déjà le chapeau en peau de serpent. Et ici, il nous faut bien deux ronces. Très bien. Donc, on va... Vous savez quoi? On va y aller. Hop. On va y aller à la torche. Ça sert à rien d'attendre. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Et demain, on va pouvoir prendre un petit peu le bateau et aller faire autre chose. Parce que franchement, on est resté beaucoup trop longtemps sur cette île. Hop là. Il y aura tout ça à récupérer aussi. Donc là, on fait la veste en peau de serpent. Voilà. Et quand on va équiper ça, en fait, regardez. Là, je suis sous la pluie. J'équipe ça. Je suis plus affectée par la pluie. Et ça me donne même... ça décroît, en fait. Si je mets le chapeau, ça remonte. Si je mets que la veste... Ça monte aussi, ok. C'est que la pluie doit être plus importante. Là par contre, bah, je ne gagne, je n'ai aucun bonus, manus. Enfin, j'ai le bonus que donne contre la... Merde. Contre l'humidité est supérieur à l'humidité qui tombe. Dancing inside.